vous allez voir les gens ce que c'est que des acharnés. Déjà à l'intérieur, je trouve l'entrée de qualité. Ah, c'est beau. Eh, c'est beau ce que vous avez fait, hein, honnêtement. Et vous avez même désherbé, mais vous êtes cinglé. Qui fait ça? Ça, c'est Crampman, ça. Vous avez désherbé? C'est pour le golf. C'est propre comme ça, non? Non, non, mais je ne juge pas. Je ne juge pas. Par contre, j'avais fait des plantations dans le jardin, ça a disparu. Ah, elles ont dû crever, ouais. Non, non, ça a été vraiment. Je les ai fait tout à l'heure, donc. Ah, vous avez pas eu le temps, hein. Vous avez commencé le chemin de ronde? Ouais. C'est Crampman. Oh mon dieu, toutes ces voitures. En plus, il les a réparés, le bougre. Mais ouais, c'est ce que je vois, c'est incroyable. Je vais pas me péter la gueule si je monte. Non. Pas tout de suite. Tu vas trop loin. Ouais, pas tout de suite. Et là, ils ont enlevé un bout de plancher juste pour la blague. Je vais passer le live à boiter. Non, c'est bon. Bon, maintenant, en général, un étage, tu meurs plus. Ouais, puis bon, je porte jamais rien, moi, donc je ne suis jamais lourd. Sauf avec mes blagues. Voilà, ce que j'allais dire quand tu parles, quand même. Mais bon, nous, on est habitués, alors ça va. Hop, la petite rasade de Bourbon pour commencer. Qui a viré la poubelle que j'avais mise sous le Van Gogh? Ça donnait un style. Vous avez... Il y a un Van Gogh? Bah là. C'est un Van Gogh, ça. Ouais, t'avais pas plutôt mis le Van Gogh au-dessus de la poubelle? Oui, c'est pareil. Je sais pas, ça s'appelle Man with One Ear Painting, donc l'homme avec une seule oreille. Ah oui, ouais. Moi, je dis ça, je dis rien. Ouais, ouais, on part plutôt là-dessus, on part sur du Van Gogh. J'ai l'impression. Oui, je l'ai mis au-dessus de la poubelle, parce que c'est joli. Est-ce que vous avez envie d'aller visiter un endroit particulier ce soir? Ou Nico, t'as peut-être prévu qu'on aille à un endroit spécifique? Ouais, j'ai toujours des idées, moi, je m'en fous. Mais... Bah, il y a toujours le super hangar de fou qu'on doit faire, qui est sur le chemin depuis toujours et qu'on fait jamais. Bah écoute. 130 étagères en métal. Oh, 130 étagères en métal. Il faut peut-être que je prenne un sac de rechange au cas où il me prendrait l'idée de transporter des choses, même si je trouve ça très avilissant. On a des sacs à dos quelque part. Moi j'avais deux sacs militaires, j'en ai plus qu'un, je sais pas où j'ai mis l'autre. Il y a que des petits sacs à dos. Bon bah c'est pas grave, j'irai avec mon sac Spifo. On trouvera peut-être un militaire sur place. En même temps, il est assorti à ma tenue. Hein. T'as tout, t'as le chapeau Spifo aussi, non? Ouais, j'ai le chapeau Spifo. Faut que je trouve la queue, et ça sera nickel. J'équipe ça, bah écoutez, on y va, tranquillou. Du coup on prend... Oh putain, il y a des belles voitures quand même. Hein. Moi je pense que je vais prendre le Spifo. Tant que... Tu veux prendre le risque de l'abîmer? L'abîmer? Qu'est-ce que tu racontes? Nico conduit pas, ça me va. Hop. Qu'est-ce que tu racontes, princesse? Ah oui, il faut que j'évite de conduire, moi. Tu lagues trop. Ça tue des gens. Et là, je suis fou, moi. Mais du coup, moi je vais avec princesse, ça. Allez, pas du tout. On dit au revoir à Crampman. remonte distillerie, tout ça. D'accord, ça marche. Donc, je crois. Là-bas? Oh là là, le conducteur en face. Je vais lui laisser un peu d'avance. Gauche ou droite? Tout droit. Tout droit, y'a rien à gauche. Non. Là, c'est des maisons. Je pense que c'est les princesses qui vont nous tuer. Mais non. Ici. Mais non. Oh putain, je suis à la place du mort. Ça va, Nico? T'as déjà réfléchi un petit peu au build de ton prochain perso? Le même. Est-ce que tu as vu Princesse arriver à se tuer elle-même en voiture? Ah, non, pas encore. Non, mais... ouais, c'est tout récent. C'est tout récent. Oh, mais je pense que c'est le fruit d'un grand talent. Ah. Un travail. J'ai pas pensé à vérifier l'état du véhicule, mais c'est vrai que d'extérieur, comme ça, je dirais qu'il est très bien. Il est très bien. Et quelqu'un a gonflé les pneus? Que j'aille pas perdre des roues pendant le trajet, quoi. Pas un problème d'affichage. Attendez, c'est une remorque, ça? Ouais, mais c'est une remorque publicitaire, on peut rien mettre dedans. On a déjà une. Est-ce qu'on peut changer la publicité? Oh, c'est tellement dommage. Imagine, tu trouves de la peinture, tu peux faire ta propre publicité. Attention. Putain. Mais non, enlevez-lui le volant! Enlevez-lui le volant! Comment ça? Interdisez-la de conduire! Mais. Ça va, Crampman? Je croyais que tu voulais qu'on regarde. T'as vu la lumière là, non? Oh putain! Et c'est pas moi, on est d'accord que c'est pas moi, hein? J'étais en train de faire demi-tour pour qu'on regarde cette histoire de remorque là. Oui. Qui puis-je, moi? Il a pas un bip-bip ton camion là, parce que. On a failli faire 4 joueurs d'un coup là, je pense. Oh,
C'était quand même une jolie esquive, j'ai trouvé. Oui, merci. J'aurais à l'uspifo, j'aurais pas tenté l'esquive en fait. Donc Jack, c'est juste à côté là. Tu vas tourner à la gauche du perso. Il y aura un grand hangar et ça va être là. Ok. Grand hangar. Là, il y a un grand hangar parce que c'est celui-là. Ouais. Je ne sais pas. Je vais fumer une petite clope. C'est ça, c'est ça. C'est bon. Le parking est de l'autre côté, si tu... Ah, le parking est de l'autre côté. Ah oui, d'accord, ok, ouais, c'est bon. L'entrée, ouais. On n'était pas déjà venu ici? Pas de évidence, non. Ok. Attends. Moi, j'ai eu l'hélico ici sur ma partie. Je suis bien amusé pour nettoyer. Je vais le mettre par là. Ah là là. Hop. Encore fini. Allons-y. Alors, qui coach tout le monde? Sans problème. Coucou Alberto. Si tu abandonnes Jack, j'offre 10 subs. C'est Gavard qui dit ça. Ça ne m'étonne pas. Aïe aïe aïe. Oh là là. Bon, ça va, ça a été quand même bien nettoyé dans le coin. Hein. Allez viens, mais ne m'ignore pas, s'il te plaît. Oui, je me bats avec un cartable, ne jugez pas. Un cartable de professeur. C'est vrai. Et un survêtement. Et un survêtement qui va être très sale sous peu, je pense. Ah, oh. Oh, ça nettoie bien, ça. Ah, Gavark me met qu'il ne faut pas croire Edredal doit avoir des hallucinations sur son chat. Je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris, Gavark. Mais j'ai la preuve, je peux screenshot. Elle n'est que fourberie et duplicité. Mais non. Mais c'est pas vrai. Voyez comme elle a voulu tuer Krampman. Non. Oh, il y a une bétonnière. Des planches. Ok. Ouais. Qu'aurait-on perdu? Non. Non, 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 non. Vérifie mon instinct. Non, c'est le bâtiment du. Ok. Oh, il y a des. Par contre, il y a plein de boîtes là. Oh, il y a. Oh, on peut déjà faire celui-là. On a du stuff ici, c'est bien. Mais il faut prendre ce qu'il y a dans les caisses là. Là, ouais. Là, il faut tout prendre. Ouais, mais j'ai pas de sac pour ça. Ouais, mais mon sac Spifo, il est déjà plein. J'avais le whisky. Vous voulez des sacs? Ah, bah là, il faut. C'est un cas de force majeure. Ouais, ouais, je suis obligé de tout prendre là. Merde, t'as déjà tout pris. Oh, t'es rapide, hein. Oui. Tu dois avoir du sang breton, je pense. Je vais m'en boire une petite avant d'attaquer la pièce suivante. Forcément, c'est la mauvaise porte. Ah bah non. Ils sont là-bas. Messieurs! Ils nous ignorent. Ils en ont rien à cirer. Oh, on peut pas prendre le tonneau. Écoute, j'ai envie. Oh. Est-ce que vous voulez que je prenne des... Comment dire, des suspensoires à vêtements? Des suspensoires... Bah, oh. Ah ouais, tiens, c'est pas bête pour ranger le matériel de type vestimentaire. Porte-cintre. Je suis complètement ivre. Ah, bien. J'avais soif. Tu t'es trompé d'entrepôt, Nico? Je suis dessus. On prend les voitures. Oui, Oh bah je vais conduire. Je suis en pleine forme. C'est celui en face, Nico? Ou c'est lui? Juste au-dessus, d'accord. Ouais, c'est bon, c'est là. Ouais, c'est là. En fait, c'est un hangar pour charger les camions et du coup, bah, c'est plein de trucs différents. Yes. Normalement, il y a une porte ouverte au niveau de là. Voilà. Effectivement, c'est assez sexy. Et ça fait 3 lives que je vous dis de venir là. Oh, mais il y a que du vin. Il y a tout. L'autre fois, j'ai trouvé une étagère de sport avec 6 battes. Oh yes. Attends, moi j'ai trouvé une étagère pour moi là. 2 crosses de hockey. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire un coma éthylique dans le jeu? Il y en a qui ont dû essayer. Non, il faut que je travaille mon poids là. Oh putain, il y a du vin blanc. Mon sac est trop petit, je vais mettre ça dans mon cartable. Là je suis un prof RP. On va faire un aller-retour à la base. Attendez, je vais commencer. On va remplir le spifo.
Mon cartable est plein. Il est comme moi en fait. Oula! Je vais pas être trop opérationnel sur les prochains combats, je vous préviens. Si vous trouvez des ventouses, la mienne est très abîmée. Si on va trouver une armoire de ventouses, des trésors de ventouses. Ouais, le spifo va pas tarder à être plein. Hein. Je le crains. Déjà? Ouais. On prend toujours le matériel de pêche ou... Matériel de pêche, ouais, ça peut servir, je crois. Oui. Il y a des armoires de vêtements, Jack, si jamais tu veux te faire un nouveau look. Oh ou peaufiner le tien. Je vais peut-être me prendre un pantalon de costume pour pouvoir me changer au cas où. Oh. Ah ouais, mais du coup, j'ai plus le chapeau. Ah, c'est dommage, on peut pas mettre cache-oreille plus chapeau. Ah. Oh, par contre, t'as un sous-vêtement complet. Tu sais, c'est comme les trucs de trappeur dans les films de cow-boy. Une sorte de baby gros, mais pour adulte. Vous voyez ou pas le truc? C'est très très bon. Je suis sûr que ça te va super bien. Ah, il va falloir que je l'essaye, je l'ai pris. Hein. Ah, une canne à pêche, il y en a jamais assez. Oh bah les cacahuètes, avec toute la bière qu'on a pris, il en faut. Bon, ça je vais prendre. Et au pire, on laisse princesse rentrer à pied. Mais Ça y passe à l'avant. Ouais, bâton de crosse et tout. Ah ouais, crosse de hockey et tout. Le problème c'est qu'on manque tellement de rien en fait que Les nouveaux items. T'as besoin de manquer pour looter? Il y a du râteau. Non. Mais tu n'as pas un désir profond d'accumulation? On en accumule déjà suffisamment du bordel. Non, il n'y en a jamais assez. Et là, est-ce qu'on n'est jamais assez? Tu vas faire vomir Crampman. Non, mais en plus, avec votre trait, là, moi, j'arrive jamais à ranger les items. Je suis obligé de les mettre par terre. Quoi. Oh putain, elle est géniale, ton excuse. Ben oui, mais c'est pour ça, moi, avec votre trait, j'arrive jamais à ranger. L'utilité. Tu l'as fait déjà, Jack. Vous bloquez ma créativité en termes de rangement, c'est tout. Oh, c'est dingo tout ce qu'il y a quand même dans ce bâtiment. Oh. J'allais voir la touche que j'ai avec ça. Ah oui, mais non, ça va pas, j'ai un pantalon. Bon, j'ai une solution. Ah. Bon, moi, je peux plus la mettre dans les voitures, c'est bon. Ah. Mais moi, je suis désorganisé, donc ça compte peut-être pas pour vous. Bon, je vais laisser mes lunettes ici, je prends le risque. Hein. Ah, là-bas, je suis hyper lourd en vrai. Je vais avoir des bouteilles vides sur moi. Ah bah voilà, c'est ça. Bah on va reposer tout ça à la base, non? Ouais. Ça me paraît plus raisonnable que de partir avec des trucs pleins, ça sert à rien. On voit que Puick. Que Puick. Yes, Scrampman, t'es paré? Ouais. Rassure-toi, j'ai des saoulés. Bah regardez, tout s'est bien passé, les gens. Oh merde, oui. J'avais pas vu qu'il y avait un mur. Oh. Merde, putain. Ah non, non, Personne n'avait fermé la porte? Non. Ah. Si, c'est Crampman qui vient. C'est Crampman qui vient d'ouvrir. Oh, il est gentil, ce Crampman. Il est serviable et tout. Où est-ce que je me gare? Attends, je vois pas. Est-ce qu'il y a la place ici? Ouais, ça. Ouais. Ou alors, ici. Crampman, ouais. J'aimerais avoir ton analyse, mais j'ai comme l'impression que j'ai pas évité tous les zombies. Bon, je dirais qu'il n'y a pas besoin d'analyse pour ça. Est-ce qu'il n'y a pas un capot à vendre rechange? On peut les réparer. Ça se répare? Ouais, mais pas un nombre limité de fois, je suppose. Je vais aller voir, mais j'ai l'impression qu'on a perdu 1 ou 2% sur le capot avant. Le capot est abîmé, ouais. Quelques pourcents, oui. C'est pas très solide, hein, très honnêtement. Ah, je suis à la lumière, on peut voir mon nouveau style. Regardez ça, les gens. Je vais voir. T'as enlevé ton chapeau. Oui, mais regarde, j'ai des bottes de en caoutchouc. Oh, j'adore dire un super héros. Par contre, je suis obligé d'enlever. Un super héros raté. C'est cyclope. Je suis obligé d'enlever mon pantalon pour qu'on voit les bottes. C'est le problème du dispositif. Non, je vais remettre mon pantalon violet. Il est très beau. Oh non, ça fait sympa. Après, à voir. Hein, je pense que le chapeau spifo est quand même plus beau que les cache-oreilles. J'aurais aimé trouver un haut de forme, mais je ne sais pas s'il y en a. Tu connais celui-là, Jack? Oh, il est stylé celui-là. Je savais qu'il y avait des chapeaux en aluminium, comme dans Signe. Papier journal, là, non? Ouais, c'est du papier journal, mais il y en a aussi, tu vois, avec des pointes qui donnent un design un peu de Teletubbies. Chapeau pointu. Bon, bah, je vais quand même vous aider un petit peu à vider. Hein. Pourquoi t'as rien foutu depuis tout à l'heure? Bah, non, depuis tout à l'heure, non, j'étais en train de glander, puis de ranger mon sac. Ah, bah, surtout que la moitié du bordel qui est là, c'est le mien. Pourquoi vous avez pris de la nourriture? On a 10 litres de vin blanc, 11 litres de vin rouge, on doit avoir à peu près 20 litres de bière. Ça fait quoi, 3-4 jours? Oh. On va pas tenir très longtemps, mais bon, on va falloir se rationner, je pense.
Il y a apparemment sur la map, ce que m'avait dit, je crois, c'est Titi, il y avait un endroit où il y avait un festival extérieur de musique. Ça pourrait être cool d'aller visiter ça, non? Par contre, je sais pas trop où c'est. C'est apparemment en bas de la map, mais alors moi, je connais pas du tout. En même temps, je connais nulle part. Moi, je sais où c'est très loin. C'est très loin? Bon, bah, Nico, tu conduis. Bah, si on trouve des trucs intéressants sur le chemin, on s'arrête et on visite, hein. Sur le chemin, je pense qu'on peut se faire un hangar. Ah bah écoute, vas-y, je te suis. Moi je suis pas rendu, hein. Moi je suis conducteur là, je vous rappelle. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, ça va rassurer Crampagne que je roule plus doucement, je pense. On ferme. Là il est parti pour une demi-heure de tension maximum. Surtout qu'en plus c'est moi qui conduis alors, faites gaffe à pas mourir. Ouais, je vais rouler un peu sur le côté. C'est vrai que conducteur lent, ça porte bien son nom, hein. Est-ce que tu veux une petite bière, Crampman, pour te détendre? Ah. Aïe. Attention derrière. Oula. Oui, oh, il y a du monde là. Oui, bah ouais, puis conducteur lent. Attends, on va aller par là. Ah non, si, on peut. Si. Oula. Eh, hey, Josh. Je te fais de la place. Je pense qu'on est peut-être en train de mourir, attends. Faut regarder, mais tu nous as blessés salement, je pense. Sérieux? Ben j'ai poussé les aides. Ah non, blessure mineure, ça va. Ah bah voilà, et alors? Si j'ai vu la voiture faire 2-3 tours en bas. Ouais. Dépêche-toi d'évacuer. C'est très inquiétant. Je te suis. On se tout droit, de toute façon. Bon, vu que vous posez la question, Crampagne s'est évanoui. Hein. Ah. T'es toujours vivant, Crampagne? Ouais, ouais. Ah bon, d'accord, je me suis dit, ça se trouve, ouais, je l'ai tué sans faire exprès. Vous êtes loin devant nous, là, je pense. T'es sûr? Parce que là, j'avance pas. Hein. Tu peux demander à Crampagne, là, je suis au ralenti, là. Ah ouais? Ah bah oui. Les zombies nous rattrapent. Ah. Mais il y a un petit hangar sur le chemin, donc on va regarder. Vous êtes où les gens? On arrive. Du coup je peux rouler un peu plus vite, sauf si vous êtes arrêté au milieu. Au premier bâtiment sur votre droite. Ok, là j'ai vu le spiffo. Ouais, voilà, bah, tourne à droite. Ah yes. Oh, il a l'air en bon état, dis donc. Chaque chose en son temps. Oh, y a une remorque. Ouais, il y a une remorque là. Très bien, attends, on va checker le spiffo. Ouais, on va s'arrêter là, Crampman. On se prend la remorque. Ah ouais, ça me paraît une bonne idée. Alors moi je suis à la raquette, hein. Je sais pas comment ça tape ça, mais à mon avis ça tape pas des masses. Surtout, non, ça va taper un petit peu, mais pas longtemps. Ah bon? Bah la raquette. Bravo. Bon, ça m'a l'air plutôt performant, hein. Ça doit être une bonne marque. Aide. Ça, c'est pas un joueur. Oh là là, c'est one shot à la lance. C'est satisfaisant. Avec le tournevis ou pas? Je vais pouvoir rééquiper ma raquette. Je pense que c'est vraiment pour le spectacle, la raquette. Hein. T'aides-moi de voir que basket. Je me méfie parce que s'ils font. C'est bon. Ouais, il y a. Ouais, la remorque, elle a l'air en bon état, j'ai pas regardé, mais. Le spiffo a pas l'air mal, mais on a pas les. C'est un cambrioleur ton personnage ou pas? Non, il a 75%. Il a pas quasiment pas d'air. On peut noter qu'il est là. Je vais récupérer ma raquette à la demande générale du chat. Ah. Allez hop, c'est parti. Moi je suis Agassim. T'es passé où? Oui, vous imaginez, vous avez votre fiche de personnage, vous avez toujours votre arme préférée, raquette de tennis. Ah. Moi, des fois j'ai des trucs idiots, hein. Ça veut pas, Comme râteau, comme râteau par exemple. Ouais. Ouais, ah oui, c'est... Ça va, c'est solide, hein. Joli coup droit. Ouais, t'as vu ça? Bah ça c'est vraiment dur. Bah, c'est un travail de longue haleine. Il faut savoir que quand j'étais plus jeune, j'étais tennisman professionnel. Voilà. Et j'ai de bons restes. Bon là, qui dit on se croirait chez les municipaux. J'irais bien faire le plein d'eau par là. Ah toi, t'as grande soif aussi?
Oui, bah oui, j'ai un saut. Ah, on a un client. D'accord, ils sont fous de moi. Ils ont rien à branler. C'est un truc de fou. Aucun respect. Non, non, mais ils respectent rien du tout. C'est quand même Jacques Play, merde. Ils s'en foutent. Ma préférée à toi, c'est. Mais exactement. On voit bien. Il a vu la raquette, il a fait « Oh là, un mec qui se bat la raquette, c'est un fou, lui. » Ils sont pas YouTube ou quoi? Là, non, les zombies, ils ont pas le wifi, tu sais. Ils sont comme... y a une jolie plante, là. On n'a pas assez, tu crois? Bah, c'est pas du tout la même. C'est une plante à feuilles grasses, c'est pas... Ça n'a rien à voir. Quand je t'entends faire ça, je me dis « Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» De quoi? La communauté FR, le seul truc à laquelle elle pense quand elle survit, c'est de se dire « Ah, faudrait que je récupère ce truc pour ma déco. » Ah, il y a une remorque ici, mais on en a vu une autre là-haut avec Rampman. Ouais, là-haut, mais je pense qu'elle est en mauvais état. Celle-là, elle a pas... 12%, c'est pas la peine. Ouais, 12%, ouais. Ouais, mais c'est pareil, celle du bas va être toute pourrie, non? Ah, mais c'est ça, brouillard normand. Oh, il y a un motel, là. Et celle-ci, 10%. Ah non. Encore pire, quoi. Après, ça peut se réparer, mais... Faut déjà réussir à la ramener, quoi. Ouais. On trouvera mieux et plus gros. Ah, sympa. Il y a des plus grosses. Un petit... T'as vu, il y a une petite piscine et tout. Ah ouais. Super sympa. Et du coup, la suite, parce que là, on est en train de s'engouffrer ici, mais Nico, c'est pas par là. Hein. Si, si tu descends plus bas, en fait, on va tourner, on va rattraper sur le hangar. D'accord. Tout ce que je disais, le hangar classique. Ouais, d'accord, ok, c'est par là. Non, le taxi est pourri, y'a rien d'autre. Faut prendre les bagnoles. D'accord. C'est reparti. Oh putain, t'as vu, et regarde tous les zombies au bord de la piscine. Y'a Marion qui dit qu'on n'y voyait pas à 2 mètres ce matin et je suis dans la banlieue parisienne. Y'a Mourla qui dit faut dire à Jack d'arrêter de fumer, il va finir par rentrer le visage. Oh putain. J'y peux rien, mon personnage est super stressé. Hein. Tu devrais reculer, Nico. Attendez, je vais aider Nico, donc on arrête de. Qu'est-ce que tu fais? Il y a eu des zombies, il a foutu ça encore? Bah ouais. J'aimerais bien économiser mes lances, moi quand même. J'ai même pas le temps d'en taper. Hein. Oh, j'ai cru que c'était Nico. Et de vrai, j'ai chaud. Est-ce normal? Ah, il en reste pas. Parce que je peux pas avec un casque. Quelle bande de gros bœufs. Est-ce qu'on peut pêcher dans une piscine? Jamais essayé. Ouais, tu la route où on est. Oh, on a trouvé un autre spifo, c'est-à-dire qu'on a potentiellement des pièces de rechange pour le spifo au cas où il serait accidenté. Tu veux conduire, Crampman? Je peux essayer, mais c'est vrai que c'est Nico, donc j'ai plutôt... Imagine, on se trouve 4 ou 5 spifo, on arrive en gong de spifo, on se gare en parallèle, on dé... Ça serait beau. Faut qu'on ait les costumes spifo assortis, du coup. Et on se fait molle comme ça et puis on finit à la fin. Ah là là. Dernière vidéo, on se fait molle en costume spifo. Faut en trouver un paquet de... Vous êtes allé tout droit, hein? Ah ouais, bah y a pas de choix. Ok. Ça m'a l'air encore bien perdu au milieu de ta campagne, ton affaire. Non, en fait, on fait un tour, c'est cette route-là ou celle d'après. On passe par derrière pour attraper le hangar, mais... Attention, attention. De quoi? Leur pseudo qui clignote en bas, donc... Ah. Ça ressemble à du lag. On est un peu perdu, la campagne. Non? Ce sera la première à gauche pour votre perso. Ah. Ils ont tourné. Bon, je vois le camion. Là, il y a quelques maisons, et juste derrière, t'as un hangar. Ok. Mais si on avait suivi la route principale, on serait arrivé quand même. T'es cambrioleur avec ce personnage-là, Crampman, ou pas?
Non. Ça fait je lui ai demandé tout à l'heure. Alors, j'ai dit... Je lui ai demandé s'il était voleur tout à l'heure. Ah. Moi, je lui ai demandé avant, toi, tu lui as demandé deux fois. Je pense qu'il va finir par croire qu'on l'écoute pas. Et sinon, Crampman. Moi, je tablerai plus là-dessus, moi. Qu'on est vieux, sinon. Ça fait du bien, un petit hangar classique. En costume d'abeille, vous déconnez, il n'y a pas un costume d'abeille dans le jeu. D'accord, il n'y a plus personne. Ah si, il y en a deux là. Bourrin, va. Il y a Marion qui en rajoute. Et alors, Crampman, voleur ou non? Il était pas parti te coucher, Marion? Joker. Crampman, Nico, il a pas besoin de forcer les serrures, il a une masse. Oh, mais c'est bien ça! Sac de radis. Sac de radis? Sac de pommes de terre. Oh, il y a que des sacs de bouffe en fait. Oh la vache. Oh là là là. Ouais, tout est pourri, mais dis donc, Après, ouais, on peut toujours faire du compost avec, mais. Tu vas là en début de game. Et dans le sac, il y en a combien du coup? Je vais vérifier. Il y a 12, il y a 12 tomates dans un sac. C'est fou, hein? Oui, mais les sacs de patates, c'est un truc de psychopathe. Croyons, ouais. Bon, bah j'ai l'impression. Et l'autre, ça va peut-être être la même chose à côté? Ouais, bah ouais. Du coup, ça voudrait dire que sur le reste de la map, ce genre de hangar. C'est... Il y a un hashtag dans mon chat, je suis Crampman. Bah, on va essayer de trouver un truc, mais là, on a fait nuit. Maintenant, le brouillard. Et y'a Gavard qui dit ah ça oui Nico il est à la masse. Tada, y'a pas un batteur pour faire kitting. Badoums. Voilà. Bon bah voilà, on sait où il faut venir en début de game pour être blindé de bouffe. J'avoue. Mais ça pourrait dire. Ça pourrait vouloir dire que sur le reste de la map, en fait tous les hangars comme ça maintenant c'est. C'est de la bouffe. Quand ils sont dans la campagne, bah. D'accord. Ouais, en même temps, ouais, c'est logique. Ouais, mais ça nous enlève du loot. Après, ouais. S'ils voulaient vraiment être logique, il faudrait qu'il y ait une moissonneuse-batteuse. Et je te montre dire que de passer dans une horde avec une moissonneuse-batteuse, ça doit être un sacré kiff. Ouais, mais c'est PZ, elle serait cassée en 3 secondes. Oui, ça serait une moissonneuse-batteuse en papier. Bon, on se fait le... Ouais, je te suis. J'arrive, une seconde.